gros nouvelle la cap souke en dan pays an, nou pote information, nou pote détail pour zami pam. Ça cap fait actualité en dan pays an, situation vraiment grave là, côté que malheureux pas ka fonctionner, bagay yo a vin pi grave en dan pays an. Chaque jour de passé ou tande yon situation qui différent en dan pays an. Nou pral bon jan détail rete là dans vidéo parce que nou pote information pour ou. Côté qui est là mes amis, situation continue compliquée, moun continue pas à marcher. Côté qui diaspora eux-mêmes, yo vle vin nan pays yo, et bien jusqu'ici diaspora eux-mêmes, yo pas capable. Côté qui situation lui-même continue compliquée là, personne moun pas connaît vraiment qui laisse ça a changé, mais celle ça nous-mêmes nous connaît là bagaille de jour en jour, c'est grave, y a vinn plus grave en dan pays yo. Côté qui là dirigeant aller dirigeant tourner, et bien situation lui-même il vient pi aggraver en dan pays. Nous pas connait pour juste qu'il est problème ça lui-même établi en dan pays, mais bagaille grave là mes amis, bagaille mélangé, situation grave là. Nous pas connait qui ça pour nous faire mes amis, parce que nous ka remarquer tout ça nous essayer, c'est comme quoi rien va jamais marcher. Nous pas connait est-ce que c'est pays qui ont problème, même qui ont malchance. Rapidement, le commandant Guy Philippe. L'expérience qu'on fait dans le passé qui préparait ou qu'on y est là pour le président du pays d'Haïti. Je dis que bon, expérience qui préparait pour le président d'Haïti. Vraiment, c'est pas pour le président d'Haïti. Vraiment, c'est vrai que mon Haïti juste, mon Haïti égalité, mon Haïti, côté de Timon dans cette commune là qui a vivre. Mon Haïti, côté jeune garçon avec jeune femme, elle finit d'étudier, elle vient faire effort la ville, il y a une ouverture pour venir avec dignité. Je ne pas rêver d'un président, je ne vais pas rêver que tout le monde en Haïti a des millionnaires, a des super riches, non. Je vais juste rêver mon pays côté public à content. Nous avons vivre dans la misère, non. Nous avons vivre en toute modestie, c'est que nous avons demandé à rien. Je merci Haïti qui a fait. Nous avons assez de ressources dans ce sol pour nous faire. Nous avons cette discipline pour nous c'est là mon pays a bon gain. Donc encore une fois, ce n'est pas une expérience qui mène mal la question et ça, parce que nous pensons qu'il y a un président, non. Je pense que c'est côté me lever, dans les provinces, côté me sortir, que je sois à l'Ambistel, que je sois à l'Amouanamet, côté me vivre, que je sois à l'Amjiréni, mais n'importe quel côté, bois mon jeu, qui m'a mis par la commune, qui m'a mis jouer au football par exemple, bien content avec moi, jouer des mois avec eux, tant de vous. Et je pense que c'est sûr que ça, mon monde, parler ensemble, et puis, ouais, misère mon jeu, ouais, j'aime mon jeu, bon malgré, on a misé ça. Et puis, qui vient dire, bon, il faut que des gens qui font bagarre pour changer ça, bon, ça. Merci. Et c'est pour ça que nous avons dit, merci beaucoup, commandant. Dans l'expérience militaire, vous avez un background militaire qui influence l'approche. Vous parlez, vous allez en Équateur, vous battez au premier monde dans la classe. Là. Bravo, commandant. Tout côté passé, toute initiative côté pour en tant que militaire, en tant que commissaire, en tant que monde qui était ouais pays dans une situation plus difficile et pour te faire intervention pour te aider pays. Malheureusement, il y a plein de monde qui vole les ça en amour. Mais il y a plein de monde qui gagne inquiétude sur conflit qui était gagné dans l'année passée. Comment on capable répondre à inquiétude de monde ça sur Guy Philippe que nous gagne aujourd'hui? Ça va dire que et semaine ça va gagner monde qui vole aucun but quand même. Je te vois le lutte vraiment vrai dans le passé. Je vois le 86 dans mes jeunes haïtiennes. Je vois le 2004 dans mes équipes qui permettent vraiment passer. Je te capte mon changement. Malgré qu'il y a des gens qui va te comprendre nous, qui va te marcher ça, c'est normal. Mais je me souviens ça, non. L'évolution a bien marché. L'homme dit, il y a des gens qui disent, comment la bien marché? Mais c'est bien là. Mais pas ça. Président, pas quoi, oui, comme ça. Ou dit un gros bagage là. L'évolution a bien passé. Pas là avec nous, non. Oui, la bien marché. Révolution a bien marché, révolution a bien passé, parce que révolution ouvert chez les Haïtiens. Révolution a mis blanc ensemble avec la coalition. Ils sont tous ensemble dans une seule boîte. Ils sont tous ensemble comme là. Donc si nous avons échoué, blanc n'a pas bien dit que c'est Haïtien qui échoue. Tout le monde voit que c'est blanc qui impose nous, parce que les Haïtiens ont fait choix. Donc blanc impose le gouvernement ça. Blanc obligé de montrer qu'on a une certaine réussite dans cette affaire là. Si vous regardez, il y a un gros carotte là dans Kenya qui va venir qui ouvre juste en octobre. Malgré que je promets que rapidement, sécurité et que la police qui va venir, il y a sécurité. Tout le monde connaît ce bluff, tout le monde connaît ces français actuels, Kawa Utilio, Kawa Bambouyo, insécurité à Bambouyo, pour qu'on continue à piller, voler. Et j'aime dire dernièrement, ce n'est pas un hasard pour qu'on ait à bouler Kaye en bas de la ville. Qui s'apprend une autre gang d'Agen pour bouler Kaye? C'est l'autre qui rejoint, parce que pas les gens qui sont dans la zone ça. Les besoins de la zone ça, ils ont besoin de voler les bagages qui sont dans la zone ça.
Donc révolution a bien marché parce que nous-mêmes nous capable peuple à comprendre ça. Révolution a bien marché parce que nous fait blanc fait bac deux fois. Blanc parce qu'on a habitué fait bac. Nous fait faire bac avec Ariel Henry, nous fait faire bac avec Pape de transition en transition, nous fait faire bac et la continuer faire bac parce que mobilisation pas campé, n'a continué de dénoncer mais n'a fait une opposition constructive. Nous pas faire construire opposition boule écrasée brisée non, n'a fait opposition pour nous aider peuple à comprendre bagaille et pour peuple à lui-même comprendre que c'est lui qui supposé moteur pour le changement. Donc c'est ça comme du nouveau. Je sens que bah il a marché, le mal n'importe côté dans le pays. Je sens que peuple a comprendre. Je sens que président Jovenel fait un travail ouvert géo. Je sens que les jeunes garçons, jeunes femmes qui veulent changement. Je sens que Haïti en général, que la diaspora, que l'Haïti veulent changement. Ils comprennent vrai problème pays. Parce que longtemps tout le monde était idéalisé blanc. Longtemps tout ça en blanc. Ils veulent qu'on crève maintenant pour l'Haïti. Oui, c'est vrai. L'ambassade américaine, tout ça. Non, qu'on y a nous connaissons qui est et nous connaissons le premier frein à développer Haïti. C'est le premier corrupteur. C'est le premier de corruption en Haïti pour eux-mêmes dominer et faire ça ouvrir. Donc, je dis à pays à comprendre ça. Et bientôt, on va voir que le peuple a dit ça, le peuple a réussi. La plus de côté pour le VA. Révolution a bien passé. Nous avons même bien 6 mois. Depuis de lancer la révolution, regardez tout ça qui est en fait. Regardez tout changement que vous avez, regardez tout vieux, toute tête sautée, toute tête cassée que nous mettons dans le cœur, dans le cœur. Donc, l'évolution a bien passé. L'évolution a privé et n'a pas respecté tout engagement que nous avons fait là. Merci beaucoup, commandant. J'ai une question que je vais vous poser sur le problème actuel du pays. Vous pouvez mentionner quelque chose même. Oui, vous écoutez moi, vous êtes clair? Oui, je suis clair. Ok, merci beaucoup pour aller ça que vous faites. Je suis entièrement d'accord ensemble avec vous. Il faut gagner un compte qui baille pour tout l'argent que le peuple a volé. Bon, bagage que le monde connaît. On a traversé qu'on est en sécurité et renforcer la loi. Bon problème dans le pays, nous connaissons là. Haïti est un pays qui est riche, mais son Haïti est un pays qui est riche, mais qui n'a pas de porte pour protéger la richesse. Qui plan ou gain pour adresser problème sécurité et renforcer l'armée et la police en Haïti? Parce que mon jeune garçon m'a parlé ensemble avec lui avant, qui a vu ce domaine, il est Meko. Meko dit, tant pris docteur Lamour de pouvoir parler avec commandant Guy Philippe, président chéri, non, posez quelque chose à moi. Il dit qu'on s'en qu'il a parlé avec Dominicain, il dit peuple haïtien, c'est le peuple côté frontière, il est libre pour qu'il rentre, Jean Rouvelé. Il proposait, président Guy Philippe, pour ta gon là, mais il y a 4 millions de monde, et lui-même la rentrée là-dedans, ils n'ont pas besoin de payer lui. Qui j'en voulais renforcer problème, résoudre problème sécurité et renforcer la police acclamée dans le pays d'Haïti, commandant Guy Philippe? Premièrement, il faut que la police nationale acclamée a servi le peuple haïtien. Il faut que ce n'est pas l'ambassade qui a baillé l'ordre. Ça veut dire qu'il faut que nous reprenions le contrôle de la sécurité de pays. Nous n'avons pas qu'un bon pays souverain, un pays chef qui a dit que c'est l'ambassade américaine, qui a décidé qui est le chef de police, qui a décidé qui est le ministre de justice, qui a décidé qui est le commandant en chef de l'armée, qui a décidé qui est le gardien, qui munition le gardien, qui a décidé la bête d'embargo sur nous, ou bien la bête d'embargo sur nous, son deux âmes, et freiner tout mouvement qui peut être fait pour craser l'insécurité. Nous songeons, il était bon ministre et dans le gouvernement président Jovenel, qui était essayé de bloquer, barricade en série de zones, pour te mener, et pour te bailler sécurité dans la zone. Nous songeons, le ministre n'a pas de cap campé, dans 2-3 semaines, il a évoqué le vol aller. Donc c'est parce que c'est blanc qui a décidé qui est le niveau de sécurité, qui type de sécurité nous avons, et qui l'a préoccupé, nous tombons dans le chaos, le sabon pour nous. Premier bagage pour nous faire, c'est pour nous reprendre le contrôle sécurité. Non. Pour pas aucun monde, aucun autre peuple, aucun autre pays qui t'a dit qui gens pour nous faire sécurité dans le pays. Sinon, c'est nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes qui pouvons faire sécurité pour Haïti. Ça, c'est mon bagaille. Deuxièmement, moi, dans la même, il faut que vous éduquiez le peuple. Il faut que le peuple comprenne. Il ne faut pas occuper le monde qui a bien dit Haïti n'a pas besoin de l'armée et qui a parlé bel français de l'armée budgétive. Tout c'est menti. Si ce domaine, il y a une croissance, ça, il y a une industrie touristique, c'est grâce à l'armée, à la police qui font travail. Parce que l'armée qu'on y a là, n'est pas une dépense. L'armée, c'est un investissement lié. Dans l'état moderne, l'armée pas dépense. L'armée, c'est un investissement. Les États-Unis investissent tout comme ça dans l'armée, c'est pour dominer le monde et prendre ça avec le prendre n'importe qui côté. C'est pour ça l'investir. La République dominicaine, il y a stabilité, il y a sécurité, c'est pour mettre des conditions pour le monde venir investir pour tout risque. Mm. Alors,
Donc, de retour avec... Donc, plus global, bon, c'est reprendre contrôle et sécurité, non? C'est faire investissement pour nous faire dans l'armée, dans la police, pour nous bailler et peuple la sécurité, permettre que le monde cap vaquer d'un point A à un point B sans qu'il saute. C'est le ça. Et c'est tout la sécurité qui a besoin, qui pourrait permettre nous jouer en Haïti que nous besoin. Donc, moi, j'ai moins d'avis que faut que nous investissions dans l'armée, faut que nous investissions dans la police pour une tranquillité. C'est à partir de tranquillité sociale que tout le bagage peut marcher. Et m'a dit, on va pour que tout le bagage, seulement avec touristes haïtiens qui vivent, États-Unis, Canada, France, Saint-Domingue, l'autre côté. Si on t'apprendrait en Haïti, on fera pas, on fait trois jours.